Salut les voyageurs. Alors ici on est dans un épisode très particulier. Est-ce qu'on peut appeler ça un tuto? Pas certain. Ça pourrait le devenir grâce à vos conseils. Et en fonction de vos conseils, je ferai un véritable tuto à l'entrée du prochain hiver. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'y prend pour hiverner notre camping-car. Alors je sais, on est un petit peu à la fin de l'hiver. Moi, ça me permet de retenir ce qu'on avait mis en place la première fois. Ça me permet d'échanger avec vous. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, de la même façon que je vous passe des images de Bretagne alors qu'on est en t-shirt et sous le soleil en plein hiver, ben finalement, pourquoi pas montrer quelque part, on va dire, une sortie d'hivernage. Pour nous, ce type d'hivernage s'est bien passé avec ce que tu vas pouvoir voir. Il y a quelques chapitres. Et alors très très volontiers, tu peux échanger tes pratiques histoire que pour le prochain hiver, ceci puisse devenir un véritable tuto. À tout de suite. Alors au niveau du parquage du véhicule, comme on le voit ici, on est dans une halle totalement fermée, protégée du froid, donc où a priori il ne gèle pas. Actuellement on est fin février, il fait 5 degrés, ce qui correspond à la température minimale que je demande au niveau du chauffage, donc actuellement il n'est pas en route. Le camping-car se trouve systématiquement branché sur le courant. En permanence. Retrouver ici au niveau de notre chauffage, et bien en fait on va retrouver un chauffage qui est enclenché à 5 degrés sur l'électricité puisque nous avons le camping-car qui est branché. Au niveau du frigo et du compartiment freezer, on fait exactement comme dans un cas classique, c'est-à-dire qu'on le laisse, quand on ne l'utilise pas, légèrement entrouvert pour permettre la circulation de l'air. Niveau hivernage, pour nous, l'ensemble des placards reste ouvert. On va retrouver tous les placards ouvert, tous les lanterneaux fermés et le lit légèrement baissé pour ne pas être collé au plafond pour permettre une circulation d'air. Au niveau des réservoirs, notamment ici pour les eaux claires, pendant notre hivernage, je laisse systématiquement pour qu'il soit parfaitement sec, qu'il n'y ait pas d'humidité résiduelle, je laisse systématiquement le bouchon à peine ouvert et quelque part la planche un petit peu ouverte pour qu'il y ait un petit peu d'air qui puisse passer, mais en tout cas pas de petites bêtes si jamais il y en avait qui se promenaient dans le camping-car pendant l'hiver. Et au niveau de l'écoulement des eaux grises, eh bien en fait au départ j'ai mis une petite cuvette en dessous histoire que le résidu puisse retomber et ensuite je le laisse ouvert pendant l'hiver, complètement ouvert, puisqu'en fait ici, on peut considérer qu'on est hors gel. Et puis au niveau des WC, eh bien, j'ai pris le parti de laisser la cassette absolument ouverte avec un petit coup de WD-40 pour ne pas que ça se fige. Les stores Rémis à l'avant du camping-car sont systématiquement ici fermés pour des questions de confidentialité puisqu'on ne peut pas exclure que quelqu'un rentre dans le hangar. Par contre, tous les stores par ailleurs plissés qui sont au niveau des fenêtres sont à demi-tirés pour qu'au niveau des ressorts, ils ne soient ni systématiquement ouverts ni systématiquement fermés. Bien sûr, avant de le sortir, il ne faut juste pas que j'oublie d'enlever un des derniers éléments qu'on a fait rajouter, qui est des cales de stabilisation, dont on aura l'occasion de reparler, tellement elles sont pratiques. Et ces cales ici nous permettent à l'arrêt de soulager légèrement le train arrière du véhicule. Alors, après avoir remonté les cales, avec la manivelle, je vais te montrer un truc qui m'a été conseillé par notre concessionnaire qui est sacrément malin parce que plusieurs fois, je me suis déjà rendu compte qu'on risquait véritablement de l'oublier
L'idée, c'est de placer cette manivelle au niveau des pédales du camping-car. Voilà, de cette façon-là, tu es au moins sûr de ne pas repartir avec les béquilles en place, parce qu'il semblerait que ce soit un cas tout à fait classique. Nous avons par ailleurs réalisé un plein plus que complet du diesel pour éviter les problématiques d'apparition de gouttelettes d'eau dans le réservoir, comme c'est souvent conseillé au niveau des youtubeurs qui font du camping-car. Et par ailleurs, on a toujours notre remorque qui est accrochée à l'arrière avec sa barre de solidarisation pour que je puisse facilement faire des manœuvres pour le faire rouler un petit peu, comme je vais le faire aujourd'hui, environ une fois par mois, je le fais rouler. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode qui, comme tu l'as vu, a abordé pas mal de points. C'est ce que nous faisons pendant l'hiver. Peut-on parler de tuto? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut parler de tuto à partir du moment où on aurait échangé, où ça me permettra d'intégrer un certain nombre de nouveaux éléments, des éléments auxquels on n'a pas pensé par rapport à tout ce que tu as vu. Un grand merci par avance pour tes commentaires. Ça va nous permettre de préparer d'ici un peu moins d'une année un véritable tuto pour aider les personnes qui recherchent des astuces, des bons plans pour passer l'hiver tranquillement en camping-car. Encore une fois, c'est vrai que c'est comme ça que nous nous y prenons, dans les conditions où nous hivernons notre camping-car, comme tu l'auras vu. Alors, à très bientôt, merci pour le pouce bleu. Si tu tombes par hasard sur ce type de vidéo et que tu aimes le style, eh bien n'hésite surtout pas à aller jeter un coup d'œil à l'ensemble de nos vidéos qui sont structurées et avec du montage. Et à bientôt !